Joseph Félix Badiou, youn nan principal auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse, et bien depuis semaine passée, li refait surface. Pendant semaine nan ki se passé à la, gagné plusieurs sommations, plusieurs journalistes pour Gary Pierre Paul Chol, Esaü César et Lou Kodesir, yo recevoir comme quoi nan travail journalistique qui a fait Badiou attaqué yo parce que li estime y a fait diffamation, y a bay menti sou li, yo accusé le comme moun qui participait dans touye Jovenel Moïse. Eh bien Badiou li continue à faire actualité, il continue à faire parler de lui. Eh bien Badiou écrit ambassade américaine après elle te fin voyé deux requêtes by actuel juge d'instruction qui sous dossier assassinat Jovenel Moïse en parlant de juge Walter Vissé-Voltaire. Eh bien, Badiou mande en face à face avec plusieurs personnalités là. On pral saisi même Martin Moïse, Badiou mande pour le faire face à face avec lui. Eh bien, restez là, on pral bon plus de détails dans yon petit moment. Chef gang vite l'homme attaqué magistrat Wilson jeudi. Et dans le moment où on a parlé là, situation très compliquée pour un pile zami qui était dans quelques zones, dans quelques localités, dans Delma, dans Foignoville, dans Publin, côté Victor Lhomme décidé d'attaquer directement. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avec aujourd'hui. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, pour me porter information, ça vous pourra avec un pilote encore. M'espérer que nous en forme, nous connaissons jeudi en ce dimanche, un pile zami là qui a l'église, nous connaissons nous prier pour moi, et moun qui te blie prier pour moi, au dimanche prochain, là nous tournons l'église, en faut que nous songer pour nous lever dans la prière. Et l'autre bonne nouvelle que m'gaye pour me partager avec nous jeudi en là, c'est que projet rentrée des classes, il finalement réussi. Choisi malgré situation difficile, malgré te gen quelques amis qui t'a déconseillé pour ne pas faire projet, pour ne pas faire rencontre là, parce que gen moun qui dit Yannick, ou pour qu'a faire pour moun pas dit c'est ou même qu'a inciter pour l'école ouvrir, etc., etc. Mais m'te décidé pour projet à faire, pour m'te faire distribution, et au cours de l'émission on bien pour voir comment activité en te déroulé, on bien pour voir contentement, satisfaction ti moun yo parents, etc. Donc restez branché pour jwenn tout détail ça yo, toute information ça yo dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Depuis après 7 juillet, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a une pile question qu'a posé pour qu'on ait est-ce que Badiou là, est-ce que Badiou est assassiné, est-ce que Badiou quitte le pays? Parce que nous pas jamais rien de concret qui justifiait Badiou vivant, qui justifiait que Badiou li là toujours et li vivant toujours. Malgré à plusieurs reprises, il y a des papiers qui signaient ou ces signatures authentiques Badiou Félix, mais pas rien qui a justifié réellement est-ce que Badiou vivant toujours. Eh bien, pendant la semaine qui se passait à là, il y a plusieurs sommations qui ont réussi à porter dans différents radios dans le pays pour différents journalistes comme quoi Badiou décidé pour attaquer. Mais ça paraitait là. Si un pile moun t'a contesté que Badiou vivant toujours, que Badiou et que c'est gouvernement Ariel Henry qui a fait toute diversion ça yo, qui a fait toute captation ça yo, eh bien Badiou continue dans même ligne. Ou bien moun ça qui cache des identités Badiou a, li continue dans même démarche yo. Eh bien, dans jour qui était 21 octobre passé à là, n'a regardé avec moi, nous un document dans grand titre là. Il écrit inventaire des documents. Eh bien, Badiou voyait une correspondance by ambassade américaine côté l'a expliqué, il gagnait deux requêtes, il adressées avec actuel juge d'instruction qui sous dossier assassinat Jovenel Moïse côté l'imandé pour gagner une face à face qui fait en différentes personnalités. Eh bien, dans document ça, on va regarder là. Il écrit déposé à l'ambassade des États-Unis en Haïti dans le cadre du dossier de l'assassinat du feu président Jovenel Moïse. 1. Une correspondance en date du 21 octobre 2022 adressée à l'ambassade des États-Unis en Haïti.
2. Une requête sollicitant le transport du juge d'instruction au numéro 1 impasse Dujon, Pèlerin 5, Pétionville, Haïti. Là, dans la première requête Badjo adressé, lui mandé pour juge d'instruction Voltaire pour aller faire un transport sur les lieux, pour aller dans l'adresse que le bail là, pour lui amener enquête, pour aller chercher information, pour aller chercher un ensemble de données, un ensemble de documents, un ensemble d'éléments de preuve, etc., commencement de preuve, qui a aidé enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Et dans le point 3, là, on va regarder. Une requête sollicitant une série de confrontations entre le suspect Félix, Joseph Félix Badjo, et les personnes qui suivent. Badjo mandé pour gagner une confrontation qui fait entre lui-même avec ancienne première dame, Marie-Étienne Martine Moïse. Dans qui objectif, dans qui l'idée, et m'bra l'expliquer nous après qui objectif en confrontation gagné. Lui mandé pour le faire en confrontation avec ancien ministre justice Rockefeller Vincent. Li mandé pour le fond confrontation avec ancien directeur général la police Léon Charles. Li mandé pour le faire une confrontation avec Pierre Espérance. Nous tous connaissons déjà Pierre Espérance lui-même, il est responsable RNDDH. Et bien il continue même journaliste a été voyer sommation pour yo, il mandé pour faire confrontation avec Gary Pierre Bonchol, pour faire confrontation avec Luc Nadezir, Louko, pour faire confrontation avec Esaü César. Qu'on y a question en pile mon a posé, c'est dans qui objectif confrontation yo gagné. Et d'ailleurs en matière pénale, leur faire confrontation, c'est comme si moun n'était pas en version sous ou même ou vini ou yo mettre en face li qu'on y a ou pral confronter so gagné comme version avec ça moun n'était bay et au final juge d'instruction li a gagné pour li a gagné pour décider. Parce que l'instruction, mais l'instruction secrète, c'est ça, juge l'instruction, on prend le relevé comme fait qui probant, comme ça qui plus rapproche de vérité. C'est juge l'instruction qui connaît, et jusqu'à ce que yon va inculper des moun dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, ou pas, jamais connaît effectivement qui ça, juge l'instruction qui sous dossier, qui traite le dossier, prend comme décision. Eh bien, Badjo lui-même qui écrit ambassade américaine, soi-disant, puisque vous regardez ces signatures et mettre Joseph Badjo Félix avocat, c'est lui-même qui signe différents correspondants, c'est lui-même qui signe différents actes du siècle qui fait. La question qu'a posé, est-ce que certainement Badjo vivant ou bien est-ce que c'est un spécimen signature Badjo qui était là, etc., que le gouvernement a là pu utiliser pour faire diversion, pour détourner attention, etc. Parce que moi-même, c'est ça que les Saint-Thomas. Oh oui. Donc nous poko wè yon bagay qui justifie nous. N'ap gade la DG nous pour nous wè oui, très certainement. Badjo non vidéo, wè Badjo pour wè l'enchère en os, wè Badjo pour ta kembe yon journal nan jou que Badjo ta fon photo, yon vidéo, etc. pour ta justifier c'est Badjo qui en vie. Tout ça qui a fait là, l'on catégorie moun, l'on groupe moun dou c'est diversion qui a fait. L'on groupe moun dou yon pa kwè nan sa qui a fait là, yon ensemble de démarches qui a fait nan moment là, nan dossier assassinat Jovenel Moïse. Ou pa ka kont moun nan? Ou pa ka kont opinion moun nan s'il dou que tout ça qui a fait yon c'est diversion, c'est propagande, c'est pour yon détourner attention moun. Parce que vérité en ce qui s'allie. Badjo comme moun nan présumé. Auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse, DCPJ a cherché Badjo, Badjo gen avis de recherche, Badjo gen mandat d'amener, et outre de même Badjo ça à plusieurs reprises, li écrit juge d'instruction qui sous dossier assassinat Jovenel pour le mander pour le faire des confrontations. Pour le mander jugeant pour éviter l'autre moun sa yo tout pour yo font face à face. Et si maintenant, juge d'instruction, il t'a répondu favorablement avec demande Badjo. Est-ce que t'as bon Badjo Félix qui t'a pral débarqué dans le cabinet d'instruction côté juge lui-même la travail, la mener enquête, la mener dossier, pour t'a vini vraiment pour le fond confrontation? Est-ce qu'on comprend? Si juge d'instruction t'a dit effectivement oui, il répond favorablement, ok, faut que Badjo t'a vini pour une confrontation. Est-ce que son Badjo qui existait, est-ce que son Badjo qui l'a toujours? Ou bien on ne peut jamais entendre parler de Badjo encore.
Parce que dossier assassinat Jovenel Moïse dans moment là, il y a une véritable diversion qui a fait là-dedans. Et pas de continuer. Là, on a regardé avec moi dans point 4 là, côté, il a adressé une deuxième note d'information qui est pour avec même dossier assassinat président Jovenel Moïse qui gagne 8 pages et il a parlé de est-ce que Badjo sont présumés coupables ou bien sont présumés innocents de dossier de assassinat Jovenel Moïse, il a voyé la date 19 octobre 2022. Et dans le cinquième point, son correspondant, son copie correspondant, cité voyé bail, la date 16 juillet 2021, après au fin assassiné Jovenel Moïse, il était voyé le bail bâtonnier de l'ordre des avocats quoi des bouquets. Puisque Badjo Félix, tout le temps avocat, c'est dans le barreau quoi des bouquets, il était enregistré, c'est dans le barreau quoi des bouquets, il était inscrit comme avocat. Et puis, quand il y a, on a regardé là, si joint les photocopies des dites pièces. Ça veut dire tout dossier, tout document nouvel voyé à l'éo, il fait inventaire, il voyé copie tout, il voyé tout bail dans la correspondance, il voyé bail ambassade américaine. Et puis là, on a regardé l'idou, le second vise la nécessité pour le bureau et fédéral d'investigation FBI, il demande pour FBI, font coopération avec la justice haïtienne pour y arriver, faire lumière sous présence différentes catégories monde qui ont même dans CTU quitté la caille président Jovenel Moïse dans le moment assassinat. Et moun sa été utilisé, ça a été utilisé s'il vous plaît. Yo utilisé appellation diye comme quoi yo c'est pam diye, yo c'est mon kap travail dans diye et c'est ça astuce ça yo te utilisé pour rentrer la caille président Jovenel Moïse. Et bien tout bagay ça yo badjo voye yo dans correspondance li écrit ambassade américaine. Et puis sincèrement, maître Joseph Félix Badjo, avocat licien. Et ce que j'aime t'ap di nou nan commencement émission, jodi an la, question Badjo Félix, nous obligé prendre avec pincette. D'autant ou pas ouais Badjo Félix ou pas on bagay qui justifie noir sur blanc que Badjo Félix li vivant, Badjo yo ka toujours gen correspondance. Ka toujours gen adducier, ka toujours gen sommation qui voye, n'importe document li, document officiel qui signé qui paraffé ou ta nous c'est Badjo. OK, yo nous c'est Badjo qui fait, mais qui ça qui ka justifie, qui ça qui ka prouvé ou effectivement c'est Badjo qui fait? Qui ça qui ka prouvé? Gouvernement Ariel Henry, pouvoir Ariel Henry, yon bon en diversion. Et je dis en vérité, on sait qui s'allie. Badjo mande face à face, Badjo mande confrontation avec différentes personnalités, alors que la police, alors que et DCPJ, alors que FBI, alors que gen notice rouge sous Badjo Félix. Gen notice rouge sous Badjo Félix. En tout cas, nous ne savons pas qui est-ce qui cache derrière tout dilatoire ça, qui est-ce qui cache derrière toute diversion ça qu'a fait dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Mais vérité, c'est que jodi an la, Badjo, est-ce que Badjo gen plus à gagner ou bien est-ce qu'il gen plus à perdre dans le dossier assassinat Jovenel Moïse? Parce que si Badjo paraît tête, il m'a quoi la fin faire confrontation et puis le braler. C'est sûr que yo a arrêté Badjo, c'est sûr que Badjo a bien pour répondre question la justice. Ça qui arrive Badjo même il est condamné parce que c'est une nan principal auteur intellectuel, une nan principal monde qui te chita planifié assassinat Jovenel Moïse et relation présumée Badjo Félix gagne avec premier ministre Ariel Henry, Ariel pas contesté. Tout appel Badjo te voye, Badjo rele et Ariel Henry, Ariel parle avec Badjo, pas contesté. Mais qui sont en juge d'instruction jamais fait dans le dossier ça? Qui sont en juge jamais fait dans le dossier hein? Et qui ça qui plus grave, c'est le fait que ou est un paquet de monde qui était en fonction au moment assassinat Jovenel Moïse, c'est promotion. Prenons par exemple ancien directeur de la police en Léon Charles. Au lieu de Léon Charles, tu es disponible pour répondre avec question à la justice. Au contraire, Léon Charles, je dis en là, il y a immunité diplomatique. Léon Charles, c'est privilège diplomatique qui joue. Léon Charles, c'est avantage, c'est promotion qui joue. Alors que tu es supposé disponible pour répondre à question à la justice. Y a le, par exemple, l'on juge d'instruction invite au monde pour Léon Charles. S'il décide de venir, comme si son faveur le fait, son faveur il faut le venir. Suive bien, le gars qui aurait lien, le gars qui aurait lien, t'es juré instruction, t'as traité de ce Jovenel Moïse. L'un des invités est ancien directeur général de la police. On parle comment il était débarqué. Ou parle comment il était débarqué, il vient intimider le juge. Il débarqué avec paquet de policiers de elle, comme si de rien n'était. Et même n'exa, même l'autre a une intention pour dire, ou mettre une interdiction de départ, ou t'a dit, ou a dit, ou qu'on a bagaille, ou pas qu'à déplacer, était là, etc. Non!
Non, ou pas capable parce que façon le vinet timide, la façon de débarquer avec paquet de policiers, ça, ou déjà d'où, ou pas capable ou pas capable ils sont protégés. Kounia, dans des badjo, lui-même qui d'où, lui confortable là pour le faire face à face avec Martin Moïse. Martin Moïse, et pourquoi donc? Dans qui objectif? Est-ce que badjo, parce que je me songe, Pierre Espérance, c'est même dit badjo Félix avec Martin Moïse, et cousin à cousin, donc, lui-même m'a des confrontations avec Pierre Espérance tout. Est-ce que bon ensemble des formations que public là pour reconnaître c'est Badjo qui a bien pour révéler? Est-ce que bon ensemble des formations que public là pour reconnaître c'est Badjo qui a bien pour révéler sous différentes personnalités ça le monde pour faire confrontation avec yo? En tout cas, dossier Badjo en son dossier n'a suivre de près, de très près même. Pour nous, un bon matin, est-ce que vous attendez de CPJ Marie Badjo? Ou bien est-ce que Badjo ça a toujours été dans l'anonymat? Ou pas Jean-Mouel, moi, toujours papier timbré, ou toujours joué une correspondance, etc. Et mais Badjo physiquement, ou pas ni à travers une vidéo, ou pas ni avec à travers une photographie qui date, ou pas Badjo physiquement, donc Badjo ça a l'air ton véritable mystère dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et j'en ai annoncé dans le commencement de l'émission, j'ai invité l'homme innocent qui décide de voir l'aide par différentes catégories dans différentes zones qui sous contrôle magistrat Wilson Jeudi. Nous connaissons quelques zones dans le tabac et c'est relevé directement de mairie Delma. Gen zone nan Puyblin c'est mairie Delma ou gen Fanyoville c'est mairie Delma gen paquet zone et bien gang vite l'homme nan chef gang vite l'homme li voye l'aide bay moun sa yo business kay ti marchand etc. li mande moun sa yo désormais c'est avec li même pour yo deal yo pa gen pour yo payer la mairie. C'est lui-même pour payer, c'est lui-même qui a cap touché et cap touché droit dans main yo, cap taxé etc. Est-ce que nous comprenons dans quelle situation à vivre? Imaginez-vous, on parle de gang vite l'homme, premièrement qui contente de vite l'homme de notre sel. Nèg yo quitté vite l'homme prend terrain, nèg yo quitté vite l'homme déployé et li prend plus zone, li gen plus superficie dans mel, li débarqué peigné. Vite l'homme kounia li contrôle en bonne partie dans quoi des bouquets après affrontement là qui gagne gang 400 marozo avec vite l'homme go plusieurs zones dans quoi des bouquets vite l'homme ça li contrôler. Et bien kounia vite l'homme trouver zone li contrôler pas suffit pour lui puisque li fait alliance avec nèg village nèg isoyo li dit kounia la pote bourré dans Piblin la pote bourré dans Tabor la pote bourré dans Fanyoville et moun sa yo kay sa yo business sa yo, entrepreneur sa yo qui recevoir lettre sa yo de chef gang. D'ailleurs, premier sa vite l'homme te fait, information sa yo, nous te partage yo déjà. Yo te écrit en correspondance by l'hôpital Espoir qui nan Fanyoville 75. Tout dépend côté moun nap soti. Gen moun ki doul nan Fanyoville, gen moun ki doul nan 75. Yo écrit l'hôpital Espoir en lettre, côté que yo dit l'hôpital Espoir, yo mande responsable yo pour yo payer en quantité l'argent. Si yon pa paye yon l'argent, y a kidnappé malade, y a débarqué l'hôpital, y a prend moun, y a fait des gars, etc. Yon oblige paye yon chaque mois. Et à chaque rythme, vite l'homme mande pour yon paye yon, c'est paye, c'est bail l'argent pour yon ka fonctionne. Et dans toute situation ça, qui sa magistrat, oui son jeudi dit, qui ça le fait, qui sa gouvernement Ariel Henry en pral fait, nous connaissons pas parler de municipalité yon. Municipalité ou gen pour être directement avec ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et bien, dans moment ça, qui disposition, qui tel décide prendre lui-même pour protéger municipalité ou, pour le protéger commune? Parce que nous pas qu'à quitter un chef gang, li fin contrôler toute ça, le contrôler là, dans la commune Pétionville. Li décide qu'on y a pour l'attaquer commune Delma, lorsque regardez juste côté vite l'homme positionnel. Et on regarde commune Delma, c'est vrai magistrat Wilson Jeudi, c'est premier citoyen commune. Non mais là n'a bien regardé réalité. Magistrat Wilson Jeudi, il pas contrôlé rien dans commune Delma vraiment. Il pas contrôlé rien. On regarde route aéroport, go paquet business, montant des business ça yo, qui est cap sécuriser, qui est cap contrôler business ça yo, c'est groupe gang. En bas Delma, qui est-ce qui a contrôlé? Qui est-ce qui a fait dilatoire? Qui est-ce qui a fait affaire avec M. Buzin Sayo? C'est groupe gang, c'est bandit. Donc, on va l'expliquer, on va le dire que magistrat, il contrôle un bagage dans la commune.
Magistrat pas contrôlé en rien dans la commune, non, puisque c'est gang, c'est bandit, c'est eux-mêmes qui décident qui est-ce qui peut payer, qui quantité l'argent doit payer, comment on doit payer. Éviter l'homme qu'on y a, il décide de prendre extension. Moi, maintenant, je suis venu là, il y a une disposition qui prend. Il y a des dispositions qui apprennent, qui supposent prendre pressé, pour y contenir question d'un vite l'homme, ça, qui apprend expansion, qui approuve elle, qui apprend l'autre territoire, qui prend attaque, intimide, terrorise l'autre côté, alors que moun sa yon pas grand rien pour elle, avec zone côté vite l'homme te contrôlé précédemment, préalablement. Et tout bagay sa yon arrive possible parce que nous pas yon l'État, nous pas yon dirigeant de dans pays nous. Et ça qui est plus triste dans toute situation, ça c'est là à pas prendre que des policiers qui là pour protéger et servir la population, montant des policiers à faire alliance avec gang, policiers à faire négociation avec bandits. Leur activité policière qu'on elle, bandit en qu'on elle, yo fait deal yo 50-50 et puis ça passe. L'autre des fondations, l'autre des centres de l'évêque, nous comme ça, il y a 40 à 60 policiers qui n'ont gang. Ce n'est pas menti, son vérité lié. Son vérité lié. Parce que ATA, comment est-ce que fait bagay là? Comment est-ce que entend pour fonctionner? Nous tendez en pile fois, ou qu'on entendez Abdou, gen blende qui a sécurisé convoi, qui a passé, camion, marchandise, qui a passé. Et nèg 400 marozo, songez bien là. Nèg 400 marozo yo, l'homme sans jour te fâché le doux, policier yo a pris l'argent dans mes camions, dans mes convois yo, au lieu de venir dire à Verlier, et ça fait tout le temps attaquer policier yo, attaquer convois yo, le y a passé. Koun a gen fort fâché qui a circulé comme quoi, l'autre de Chablende yo, y a sécurisé convoi, yo touché par camion. Et en pile fois l'autant des bandits pas attaquer camion ça ou pas attaquer convoi c'est parce que policier qui touchait dans mes camion dans mes convoi dans mes marchandises yo partager l'argent 50-50 avec gang avec bandits yo c'est ça que les protéger et servir population c'est ça que les sécuriser population c'est ça que les protéger population en bas griffe assassin criminel bandits yo. Aux policiers qui participent non actes non malversations comme ça. Policiers ça pas différent de gang là, n'cap terroriser population chaque jour. Cap touiller petit peuple là parce que nous gon mission, nous gon objectif protéger servir, m'pa quoi blender la police mettez pour servir population, c'est business n'a fait et puis après l'agence ça n'a séparé là avec gang avec bandi pour pas attaquer nous en retour. En tout cas problème pays a en pile, problème population en pile et moi même m'attend moi que gon passer mec fait en dedans PNH hein? Parce que si nous déjà identifié dans état major la police pas rien volonté dans état major la police gen un paquet nèg yo même tout qui en relation avec gang qui en relation avec bandi qui protège bandi qui bail bandi des informations qui nan gang tout mais imagine pour policier c'est quoi ça y a fait bagaille là. Pour policiers, on utilise matériel PNH, matériel qui est censé là pour protéger la population. Ils utilisent pour faire l'argent maintenant pour choper des affaires deal avec gang, pour faire deal avec bandit. Qui pays ça? Nous gros pays. Donc, l'important pour qu'on triage qui fait, pour qu'on passe mais qui fait, pour inspection générale, enquêter sur différents policiers ça qui ont même gêchablen dedans mais qui ont même sécurisé convoi etc. Parce que pays n'a pas carité comme ça. Pendant nous dit nous pas avoir intervention militaire étrangère et puis ces mêmes policiers ça yo encore qui crase institution la police. Ces mêmes policiers ça yo qui prend influence politique au paquet l'autre nèg qui prend influence au paquet l'autre policier qui nan gang qui corrompu déjà qui continue à faire malversation dedans pays an. Et jodi an la ou gade réalité an ou gade résolution qui se prend en conseil de sécurité Nations Unies. C'est comme si pays an son seul gang ni gen son seul chef bandit gen c'est seulement barbecue. Résolution, vire résolution en envers, tunnel en droite, etc. Ou ap gade, son seul moun qui s'en se vise, qui indexe directement, Jimmy Cherizier alias Barbecue. C'est vrai, on considère comme une chef gang qui pi puissant de dans pays. Attaque, décide attaquer, principal terminal pétrolier de dans pays. Ça fait de ou un terroriste. Ça a nous clair sous lui. Mais, si vraiment vous travail que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait, si vraiment vous travail dans la lime a fait en dedans pays, si vraiment vous avez un rapport sérieux, vous avez fait,
Yo ta font cartographie pour yo dou mais différents groupes gang qui en dedans pays hein, mais différents chefs qui nan tête yo, mais différents moun kap alimenté yo. C'est pas ou même qui pou ta nan chute ap casser tête tout, ap essayer faire liaison, ap essayer lier met tel groupe gang à telle autorité, à tel nèg dans secteur privé kap financer etc. Nous pas besoin faire toute bagaille ça parce que nous connait ta bon travail qui bien fait que madame la lime que bino ta fait etc. Mais le au final nous garder ça qui sorti comme résolution, le au final nous garder régime de sanctions qui prend contre gang commanditaire gang ou tande yo sanctionner interdiction de départ ou tande yo dou gel des avoirs etc etc. Mais au final, on va poser question, est-ce que sanction ça concerne directement bandi ou bandi à sapatio? Alors que yo pas identifié bandi à cravate, yo pas identifié commanditaire, yo seulement dou c'est barbecue barbecue barbecue. Donc il y a un paquet de travail pour nous faire. Jodi an la, li important que différentes structures politiques ça nèg ça qui conscient et peuple la conscience c'est eux même qui a commandité violence. C'est eux même qui a financé gang, c'est eux même qui campé derrière groupe gang derrière bandi yo. Je dis là nous pas paquet structure politique, c'est eux même yo sous béton là et comme si décision pas sorti dans camp yo le pas bon. Là on prend par exemple à Montana. Ou gen peine modifié, ou te gen la valas qui t'a ba ou encore salut public. Côté moun sa, pour qui ça pas dit pour une fois, OK, nous la situation Haïti empiré, situation haïtien vivant dedans pays, li exagéré, nous pas capable faut qu'on bagaille qui fait presser presser. Nous mettons toute divergence tout de côté et puis nous dit fois ça, n'a pas une décision haïtienne. N'a décidé pour peuple haïtien, salut public. Ben, Montana, Ariel, nous chita ensemble, nous prenons décision. Côté que nous prenons le gouvernement, c'est vrai. Nous pas dans le gouvernement. Nous pas voyons le monde politique, pas nous dans le gouvernement. Mais nous choisi des gens dans la société civile. Nous avons choisi des gens dans le secteur universitaire. Nous avons choisi des gens dans différents autres domaines de pays. Que nous faisons confiance. Que l'opinion publique ait un minimum de crédit. Qui pour faire travailler le peuple? Des gens qui sont capables, des gens qui sont valables. Ils n'ont pas fait parce que chaque petit groupe estime que c'est eux-mêmes qui gagnent la baguette magique, la solution miracle pour retirer Haïti côté lien. Et entre-temps, gang, chaque côté passe son petit groupe gang. Là, dans Pétionville, là, sorti Pétionville pour arriver à l'académie. Pétionville, d'ailleurs, Pétionville, il y a un groupe gang qui a fait des faits là-dedans. Là, après tout, frère, descend. Ou prend boss ou commissaire, il y a vu Michel là. Nous on zone tirer les corail market nèg vite l'homme yo bandi vite l'homme vinn mettre bandi lui vite l'homme installer lieu dans l'installer gang ni là oui dans zone sous commissariat rue Michel là oui m'pa même besoin d'où ça veut dire pas gain autorité nous yo pas ka prendre sanction contre gang autorité nous yo pas ka prendre sanction contre bandi yo contre commanditaire yo et l'international là d'où c'est yo même ka prend ou est cette diversion ou est cette force ka fait ou est cette jeu ti moun c'est blague ka fait comment nous ka font international con sa confiance comment nous ka fait États-Unis confiance alors que ou pour une résolution ça m'pa wè viabilité résolution pour moi elle pas viable. Ni pas viable parce que nous pas cap di n'a pression contre gang contre commanditaire gang son seul moun nous viser la dedans et ça qui pire là oui commanditaire yo moun n'a plaider ouvert bouche n'a dit c'est moun qui fait partie de structure politique c'est moun qui dans secteur privé encore nous dit que la loi américaine la loi fédérale pas ba nous autorisation pour publier identité moun sa yo mais en Haïti au moins la loi haïtienne pas interdit yo. La loi haïtienne pas interdit. Et dans la majorité de gens qui sont dans le secteur privé des affaires, comment on prend un sanctionner un monde et on prend sanctionner un monde alors qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de visa pour le voyage. On prend sanctionner visa, retirer visa, etc. Interdiction de départ. Quand un citoyen pays qui a un passeport pays, on prend interdit, on prend couper visa, contre visa, on prend interdit de voyager. Et non, même résolution, ça, bémol, on met à l'eau. Si moun nan, malgré moun nan, li ta fait partie de commanditaire yo, oui. Si moun sa lge pour le voyage, c'est pour cause humanitaire. Ça veut dire si moun nan ta malade, c'est États-Unis ou bien dans n'importe quel pays qui signe une résolution pour le tal prendre soin. Pour cause humanitaire, y a quitté le passé. Pour cause religieuse, foi religieuse, y a quitté le voyage. Donc, m'a besoin d'où encore tout moun. Tout commanditaire yo kadou, yo gen problème humanitaire, yo gen problème de santé. Yo kadou, yo pralé là, c'est musulman, yo pralé là, mec, etc. Tout
le monde ka don, tout le monde ka vini avec argument pa yo. Donc moi même vle tout problème pays nous gen la c'est haïtien pour chercher entendre yo. C'est nous pour entendre, nous te entendre nous fait 4 ans nous entendre nous sous Jovenel pour nous déstabiliser un pays. Jodi on pa wè ki sa gen la nous pa ka entendre nous. Pa wè ki sa gen la nous pa ka entendre nous. C'est poste président même, c'est pays nous besoin déstabiliser. C'est élection démocratique nous parler pour gagner dedans pays. Nous parler pour l'ordre constitutionnel rétabli en dedans pays. C'est ça que fait nous mettre avec Badjo, nous commanditer assassinat en président et puis jodi avec même Badjo ça n'a fait diversion. Le peuple haïtien faut qu'il s'ouvre problème. Yo nous venons avec un spectacle Badjo Félix. Tantôt Badjo sommet journaliste, tantôt l'écrit ambassade américaine, tantôt l'écrit juge etc., etc. Et puis entre-temps, nous même n'a réglé toute bagarre nous en battable. N'a préparé intervention militaire étrangère nous. Comme si de rien n'était et puis peuple a continué à victime, moun continue à mourir, bandi continue à prendre kay moun, yo continue à kidnapper moun, yo continue à violer moun. Devant toute communauté internationale là, devant le gouvernement Ariel Henry, qui ça que j'aime dit, qui ça que j'aime fait rien. En tout cas, nous là n'a suivre et n'a suivre. J'aime te annoncer nous dans commencement émission, surprise c'est qui ça lié. Eh bien projet rentrée des classes, on te prend initiative depuis un bon bout de temps, on t'a promoté, on t'a demandé nous support nous, on t'a demandé nous aide nous pour nous te arriver voyer 150 timon l'école année dans aider yo ba yo valise, ba yo livre, ba yo l'autre matériel scolaire. Eh bien projet a li pat abouti pour 150 timoun. Mais au maximum nous te gagné 100 timoun que me dit bon effectivement 100 timoun sa yo tout bagay fin prêt pour yo, n'a ka aider yo, n'a ka supporter yo, n'a ka ba yo tout ça te promet yo pour yo rentrer l'école. C'est vrai situation li difficile en dedans pays hein. L'école était supposé ouvrir depuis septembre. Octobre yo reporté jusqu'à présent nous pas connait est-ce que l'école a ouvri en novembre, est-ce que la ouvri en décembre, est-ce que c'est janvier l'école a ouvri. Bon me te dit au lieu que m'kembe bagay yo toujours m'kembe kitio m'kite timoun yo sou standby parent yo sou standby yo rete la m'di bon prend date bon planifier pour m'faire distribution avec timoun yo avec parent yo pour au moins yo ka gen affaire yo nan men yo n'importe l'école ouvri n'importe l'école yo ba on date ou bien et situation pays en tout bagay rentre à la normale timoun yo ap kale l'école. Et bien hier j'en a revivre avec moi là c'était occasion pour nous faire distribution. Avant même continuer, il faut moi remercier chaque grand ami qui t'a décidé monter à bord, chaque grand monde qui t'a décidé répondre présent, répondre positif. Même zanmi ça qui t'a dit Yannick, ou connaît, me promet tout c'est vrai, même pas qu'à répondre avec tout ça me te promettre là, m'a répondre à moitié etc. Un grand merci avec chaque zanmi. Merci pour conseil nous, merci pour support nous, merci parce que chaque projet, chaque initiative moi prend, nous toujours là envers pour nous supporter, c'est pas initiative c'est projet nous, c'est initiative nous et surtout avec projet rentrer des classes. Nous connaissons comment situation pays difficile, nous connaissons comment problème compliqué malgré un problème tout côté, malgré chaque monde gen le problème, chaque monde gen le et famille ami à supporter, mais nous te fait nous un plaisir pour nous t'aider avec projet pour nous te contribuer, pour nous te participer avec moi et en retour moi même toujours voulais pour toute bagaille faite dans transparence pour nous comment bagaille était, comment ça t'est réalisé etc. Et sans parler jalousie mettez bien parce que chaque ami qui t'a contribué yo nous t'est important pour projet à réussir. Mais il y a quelques amis et même là nous ouais m'ba yon remerciement spécial, c'est pas que me considérer au plus passé nous, c'est pas que m'apprécie au plus passé nous, mais yo toujours là étape par étape pour dit comment ça y est, qui ça m'ka faire, comment m'ka aider, comment m'ka conseiller etc. m'a remercier madame Anne qui t'a aidé, qui t'a contribué, qui t'a voyé valise pour timoun yo vraiment remet valise yo par m'ai l'impression chaque timoun yo t'a voulu c'est même modèle valise a pour gagner. Donc merci en pile madame Anne. Ma première aussi est David Louis Zesov Moringa, malgré que partenariat est convié avec lui, Yannick, faut monter à bord, faut qu'on supporte le projet pour aider Timounio, pour voir Timounio l'école. Moi, je dis un grand merci, moi, je dis merci avec Zesov Moringa. Ma première aussi est gentil, chérie Luce, qui c'est PDG Natrans avec les produits Rosa, qui a décidé de monter à bord, de supporter l'initiative là, il a gardé étape par étape comment tout le bagage a évolué. Merci, ma première aussi est Niki, bon Niki, ça c'est.
ça son maman pour moi, son grand sœur pour moi, son ami pour moi qui toujours là envers moi chaque jour, qui pas jamais lagué, merci en pile Niki. Et chaque grand ami inconditionnellement qui là avec moi, qui a supporté projet, qui a ban conseil dans projet, qui a dit Annick, parle dans telle zone, pas fait telle zone etc, pas annoncer qui l'ont parlé. Ma première c'est révérend Junior Bastien. Bon ça c'est ça fait pas, merci à chaque grand ami, chaque grand fanatique, chaque grand supporter. C'est vrai gen ami qui t'a essayé de décourager dès le départ dans projet a, gen moun qui te dit oh Yannick et c'est ou gen les pral poser candidature ba ça parce que gen moun de pour aider moun yo gen un objectif politique, yo gen ta ouais c'est parce que besoin le candidat etc. Mais moi même avec public, moi avec fanatique, moi supporter yo, chaque grand ami qui aide yo toujours connaît tout ça la fait, nous faire avec cœur, nous faire l'en souci pour nous aider moun, pour nous mettre la joie dans cœur moun yo, parce que nous connaît comment situation y est vraiment dedans pays. Et m'pa cacher dit nous. Et moi-même, pour bien longtemps, je suis sorti l'école, je parle de questions de livre, de monde. Et son véritable choc. Son véritable choc, parce que je suis annoncé mon ça, je parle de questions de livre, photocopie. Si je suis en train de faire un livre original, hologramme, Henri Deschamps. Son véritable choc, je suis regardé prix livre, prix cahier, plume, bagay sa yo, tout bagay monté. Tout bagay monté, je me demande est-ce que vraiment. Il y a autorité régulateur dans le pays, il y a des gens qui a veillé et comment l'école lui a fonctionné. L'autre bagarre encore, chaque école bail livre par eux, chaque école gain programme par eux. Gain l'école par exemple, li bail ti moun nan 3 mathématiques, li bail réussir les maths, li bail vivre les maths, li bail essentiel maths. 3 livres mathématiques, on va poser des questions. Pour qui raison, ou pas qu'à comprendre. Gen l'école qui baille plusieurs livres communication française, plusieurs livres français fondamental. Donc, une situation vraiment catastrophique. C'est ça que fait. Li extrêmement important pour nous toujours. Et tirer sonnette d'alarme pour nous conseiller avec autorité régulatrice en dedans et ministère éducation nationale formation professionnelle. M'pense t'as supposé gagner et moun qui la même qui a enquêté des enquêteurs qui la qui a enquêté sous fonctionnement l'école yo, sous programme, sous sa direction yo mette comme programme pour année académique lan livre yo ba etc. Parce que c'est sûr pour quantité l'école, pour quantité livre, pour modèle livre moué quelque l'école a baille ti moun yo, c'est sûr que par bon contrôle par bon côté ministère éducation nationale. Mais c'est un véritable plaisir pour moi avec parents yo, avec timoun yo, ambiance, m'te profiter faire un petit jouet avec timoun yo et faire parler de pays yo, de département yo, connaissance générale avec yo, ba yo prime etc. pour m'encourager yo. Et c'est un véritable plaisir pour moi, c'est sûr que là m'a garder contentement, satisfaction, réaction parents yo, réaction public là qui était là, moi me satisfait. Et ou même kounye a, ou ap di, mais est-ce que vous satisfait, est-ce que vous partant pour l'autre projet, l'autre initiative pour nous continuer à mettre sourire sous lèvre moun yo, pour nous continuer à faire moun yo content et n'importe quoi ça est petit coulier. Et travail là pour continuer. Et travail la continuer, la continuer, la continuer. Encore l'autre fois, merci à chaque grand ami, ou même qui battait de non pas faire jalousie, c'est pas que moi, mon l'autre plus passé, mais ça t'est sous cœur pour me remercier, les amis, ça particulièrement. Rendez-vous en l'icassé dans l'autre émission. Et projet, on a toujours continué à penser pour les amis, on continue à penser pour Timoun, dans souci pour nous aider dans l'avancement pays, pour nous contribuer dans le développement social en dedans pays. Nous rendez-vous à 7h avec Foucault pour cette programmation. Restez connecté avec TAC 509. Merci tout le monde. À très bientôt. Chaque médio, nous jouons livre, cahier, plume, crayon, boîte géométrique, tout dépend de qui classe nous a fait. Nous jouons taille crayon pour tout le monde. Donc, nous allons commencer avec distribution. Nous allons faire ça dans l'ordre, dans la discipline, pour ne pas troubler. Ok? Dernière cible. Ballon, thank you.
haïtien, ou remet pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel par là, pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le balai pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.